Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve en combat face à une embuscade de ces vils hommes bêtes qui, eh bien, sont en train de nous lancer un assaut direct avec des chiens de guerre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. Pendant 60 secondes, en plus, on a plein de malus. Très bien. Par contre, le truc de fuite est juste là, si on voulait s'enfuir. Mais on ne veut pas s'enfuir, bien sûr. On va foutre ça ici. Vous, vous allez reculer là. Ici, on a des chevaliers du royaume qui vont se lancer un assaut direct. Nos archers en position. Le reliquaire devant. Nos lanciers, c'est pareil. Ici, on va courir par là pour couvrir les trébuchets. On va se mettre ici. Là, on a des tueurs de bêtes fanatiques, mais eux sont très loin, donc ça m'inquiète pas trop. Toc, 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 vous tous. On va se placer comme ça, on va placer eux sur le flanc au cas où. Fundark. A priori, on n'a rien derrière, mais il peut y avoir des choses, donc on va se méfier quand même. Le chevalier Sinople, ici. Manon, tu viens là. Et on est parti. Là, bien sûr, hein, on va pas réussir à reculer nos trébuchets suffisamment vite. Mais c'est pas grave, on devrait les défoncer assez vite. Oh, par contre, je vous avais pas vu, vous. Hop. Hop. Mais on va les détruire, hein, on va les détruire, hein. Y a pas trop de doute non plus. Alors, des nouveaux trucs qui sortent. Alors là, c'est un petit peu le gros dawa. Il y a du monde partout. Les fanards qui volent tranquillement. Nous, ce qu'on veut, c'est dégager les archers. Donc les archers, ils courent jusque là. Tout le reste peut encaisser sans aucun problème ce truc-là. Là, du coup. Alors, sachant qu'il a des renforts, deux renforts. Ouais, ok, c'est que dalle. C'est personne, les renforts. Pas de problème. Venez vous mettre par là, vous. Ici. On va se placer comme ça. Vous et vous. Ici. Là, ils vont nous choper plus ou moins. Ils vont se faire tellement découper que c'est pas trop un problème. Ah, ici on a des gens qui sont en train de se préparer à faire de la merde. Allez, go, chopez-les, vous. On réencaisse cela sans souci. Alors, ça y est, il y a tout le monde qui arrive. Ici, demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Là, vous, vous allez vous placer par ici pour couvrir un peu les flancs. Vous allez vous mettre de dos. On a une ligne ici qui doit être à peu près faite. Pas tout à fait du coup. Vous venez là. Le reliquaire, il va venir ici. Vous, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dans le contexte. Courez par ici. Ici, on va avoir une ligne qui va tenir normalement assez aisément. Toi. C'est l'heure d'envoyer des sorts dans le tas. Bien groupé. Il y a du tireur. Oui, il y a du tireur. Nos propres tireurs vont faire le taf. Ouf. Je sais pas sur quoi vous avez tiré là, mais. Alors là, on est chopé. Donc en avant. C'est l'assaut. C'est l'assaut, c'est l'assaut. La cavalerie. En avant par ici, là. Bon, vous n'allez pas faire grand-chose en fait, vous. Toi, vas-y, gère ça. Là, hop, en avant. Faut qu'on empêche un peu les archers de se faire choper si on peut. Fenarque, duel-moi ces gens. Et toi, un petit boost ici. Immediately!
Alors, ça fait quoi? Des pillards, des pillards, des pillards. Ok, on va avoir notre cavalerie qui va se faire bien plaisir. Ici, on a réussi à sauver nos archers, c'est parfait. Toi, balance ça là. Lui, il a décidé d'aller par ici, mais il s'est fait choper par Fonark avec des chiens de garde qui sont en déroute. Tout le monde est en déroute. Ça, c'est en déroute définitive. On va défoncer le seigneur. La cavalerie est au fight. Ça, c'est quoi? Des pillards aussi. Placez-vous comme ça, vous. Ok, lui il est mort. On va envoyer Fenark poursuivre un petit peu. Le seigneur ennemi est blessé, parfait. Il y a du chien de guerre en renfort qui arrive. Bim. On l'a pas regardé de près, notre ami chevalier Sinople au final. Bon, bah, visiblement c'est la fuite de partout. Demi-tour. Gère-moi ça, la cavalerie en avant. Ici, vous verrez, en avant. Des petits seigneurs qui arrivent ici. We have met before. Battle ready. March. For the king. Defenders of the realm. Defenders of the realm. Bon, Fonark, sort de là. Oui. Toi, vas-y, viens ici aussi. Il y a du monde là qui est en train de se mettre en position. Là, on s'est pris un sort visiblement. Je croyais qu'il restait plus de vie, mais non, c'est juste qu'il est. Il est coincé à mort. Bon écoute, vas-y, on va t'envoyer quelques écuyers pour t'aider. Eux, ils ont tellement douillé. Qui se barre. Voilà, on va mettre le malus. Ah ouais, ça fait mal ce sort quoi. Buveur d'esprit là. Ils sont même pas venus au contact, ils sont déjà morts. Allez hop, go. Là on se fait découper pour que dalle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi le trip? Demi-tour. Sérieusement quoi. Là il y a une tribu fée qui est restée là. Est-ce que vous êtes à portée pour tirer dans le dans la forêt là? Tiens bah allez go, tirez là-dessus. Faites-vous plaisir. Ah non, il y a les renforts qui arrivent, bon bah arrêtez de tirer. Ok, c'est la déroute. Dans la vache par contre j'avoue que je les ai un petit peu lâchés, je pensais pas qu'ils se feraient autant dépouiller. Donc on va pas les poursuivre. Parce que de toute façon ça va les révéler et qu'on était justement en train de se préparer à aller leur taper dessus, n'est-ce pas? Donc on va les finir tranquille.
peut-être devoir faire attention à nos chevaliers quand même. Bon, une bataille d'embuscade aurait été bien gérée. Mais qui était bien joué de sa part, hein. Il y en avait un en embuscade du coup et les autres qui étaient en train de recruter. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait trois armées, même si c'était pas vraiment trois armées. Du coup on en a détruit aucune. Et on va pouvoir se les faire, ok. Peut-être au prochain tour du coup. Parce que là on est à fond, on peut plus rien faire d'autre. Alors du coup, on peut prendre un petit ralliement, ça mange pas de pain. Et toi, amocheur, plus de vie, défense en mêlée. Vu comment je m'en sers en l'envoyant au milieu du fight et il tente de y rester, on va partir là-dessus. Alors là, on n'a pas le niveau pour tomber sur lui directement malheureusement, donc on va rester là. Le temps au moins que la garnison soit faite. Ici, il y a un elfe noir, je crois, qui traîne dans le coin, qui pourrait éventuellement être dangereux. Ouais, voilà, il est là. Normalement, il y avait les mille gueules là qui traînaient, mais bon, visiblement, il s'est fait un petit peu défoncer, ça nous arrange. Ouais, on est à 39 sur 44. Avec le fait d'avoir de nombreuses armées, c'est aussi ça le coup fait des Bretoniens. Hein. C'est qu'il faut faire quand même assez gaffe à ça. Faire une troisième armée pour aller par là. Ça pourrait être Manon, hein, ça pourrait être Manon là qui en termine avec ça et puis qui débarque sur les îles sorcières pour commencer à taquiner Arcane le Noir. Ici on a bougé, donc pisse-pouce pour l'instant tu fais rien. On a du bâtiment endommagé ici, mais on a dit qu'on laissait faire. On a des points de compétence. Ah, Agathe, elle a des points de compétence. Ah, c'est parti. Tu prends ça. Tu me prends ça. Le sang de la terre. Régénération. Voilà, parfait. Tu prends ça. Oui, c'est vrai que t'avais fait un petit combat, toi, mine de rien. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu si le fait d'avoir mis une grosse fessée à Morgure, ça les met en confiance ou pas. Et ouais, je pense qu'on va envoyer Manon en Arabie pour prêter main forte à Jeanne. Waouh! La vache! Il a défoncé les deux armées, quoi. Celle en embuscade plus celle d'Alastar le Blanc. Bon, il a souffert, hein. Mais ils avaient raison de se méfier, les elfes, on dirait. Il vient de leur infliger un sacré revers, il n'y a plus rien pour l'arrêter s'il veut contre-attaquer, du coup. Bon, il a encore de la force, mais à mon avis, ça a dû lui faire bizarre. Je pense que Tyrion peut-être se tirer de là où il est. Il laissait tomber son assaut sur le cimetière du Galion. Ah, les démons légendaires, c'est franchement ouf. Hein. Pouah, non. Pour l'instant, vous vous démerdez, clairement. Après, j'ai pas vu encore une fois l'armée qu'ils avaient, hein, mais j'ai pas été regarder en détail, mais. Quand même, quoi. Ah, bah voilà, si lui s'occupe de. Il faut que quelqu'un s'occupe de ça, là. M'en fous de qui, mais occupez-vous de cette cité, là. Terminez le pestilentieux, là. Alors il quitte, il sort et il décide de se tirer visiblement. Ok, ça me va. Là, il fait demi-tour. Vu son armée, je pourrais presque tenir avec une garnison affaiblie là. Je pense que je vais être trop loin pour l'attaquer. Je voulais pas me mettre en marche forcée parce que j'avais pas envie qu'il me tombe dessus éventuellement justement en marche forcée.
Kemri qui est de plus en plus fort. Bon, après, si le Kemri commence à prendre l'ascendant, je dirais peut-être pas, on verra, mais. On va peut-être chercher la confédération avec Lyonnais, là. Enfin, les chevaliers. Ouais, là pareil, à la place de Noctilus, je voudrais pas voir ça qui traîne près de ma cité, mais bon. C'est vrai qu'il a pas été du tout agressif, Noctilus. Enfin, il nous a déclaré la guerre quand on est passé pas loin, mais il a jamais donné suite, et au final, il sort pas du tout de son cimetière. Bon, le Jagdmarschall. Pour l'instant, il. Il est pas trop dans le mal. Il y a le siège ici qui est dur, mais. C'est vrai que l'armée de Gorterf là, elle est pas ouf, hein. Franchement. Oh oui, bah oui, non mais oui, tombe sur Ikit. Fais-toi plaisir. Ah putain, il recule. Dommage. Et on va peut-être pouvoir le choper. On va peut-être privilégier la ville. On va voir. Il y a peut-être encore un peu de réserve de mouvement. Pas de réserve de mouvement. Peut-être que les elfes sylvains ont une armée qui va sortir de nulle part. Hein. Alors toi, bah ouais, t'as mangé ta maman. Fais-moi le malin. Est-ce qu'il va poser un sol de sang? Non. Il se cache. Ok. Il se cache. Toi, tu vas où là? Y a un truc par là-bas qui t'intéresse? Bon, Jeanne, faudrait que tu te poses à Martrek et que tu tiennes la ligne. Non? Bon, pas. Du coup, fais-le pas. Ok. Un dommage des murs. J'ai l'impression qu'il y a une armée prête à sortir de la porte du Phénix. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'on puisse recruter à la porte du Phénix. Oh, bah oui. Le mec qui passe en sentier des bêtes là. En plus, on lui pique un petit objet de sort. Clairement. Et aussi, là, il a une petite moto là, il quitte. On l'avait vu quand on avait joué avec Katox. Notre allié est attaqué, Tyranok, par Skiddy. Sérieux? Il est aussi fort que ça? Bah oui, bien sûr. On les suit. Ah oui, non, voilà, on est d'accord. Bah du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va me chercher. C'est le problème d'ouvrir des alliances défensives. Hein. On a potentiellement beaucoup de fronts qui peuvent s'ouvrir. Mais c'est comme ça. Ça me va assez bien d'être ami avec tous les elfes d'Ultuan. Que ce soit niveau roleplay ou autre. Bon, il va tomber sur cette cité-là qui est la moins bien défendue. Forcément. On va prendre la défaite. Du coup, il s'y pose. Ok, il s'y pose. Ah bah t'es là toi, monsieur Jenkins. Petit fumier. Je m'avais piqué un truc, je crois. Bon, on est en train de se faire repousser ici. Mais on a notre armée qui est en train de se faire. Manon qui gagne assaillant confiant et maître des bêtes. Très bien. Elle a gagné une pierre de pouvoir, on a perdu une colonie. Ah oui, mais du coup on est dans le mal. En force de perdre des villes là. C'est problématique. On a trop de pécores. On a trop de pécores.
Alors on a une tech pour ça. Ce truc là. Je pense qu'on va aller la chercher, mais c'est 10 tours. Notre priorité, ça va être la menace nordique. Clairement. On va faire revenu des fermes moins 5. C'est acceptable. D'autant plus qu'on va... Attends, on va tellement pas vite par contre dans cette zone. On va pouvoir aller chercher... une ville de plus ici. On va ouvrir les négociations avec lui. Il veut rien. Ok. Pas trop, pas de problème. Tu veux rien, tu veux rien. En termes de pack de non-agression avec Evlorn, ouais. Par contre, le recrutement, non. Bon, on va essayer d'aller chercher Mergliano pour équilibrer un peu ça. Et malheureusement, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir recruter plus. Pour l'instant. Par contre, ils sont tous barrés là-bas. Oh, sérieusement. Ah la vache. On va les poursuivre pendant qu'on sait qu'ils sont là. Hein. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que les unités alliées comptent comme des paysans? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Les unités alliées comptent comme des paysans. C'est pas très grave, hein. On a largement ce qu'il faut en termes de sous pour encaisser. Là on vend toujours à 100% donc on peut se permettre. Donc, du coup on va privilégier l'argent. On peut améliorer ça. Et on va le faire, ce sera fait et on sera quand même bien défendu. Xen Lapek, pas de soucis ici. Pour l'instant... on est bien ici du coup. Lui il est revenu là, donc pour l'instant on n'y a pas. S'ils nous prennent ça, ça peut foutre la merde dans notre économie de paysan. Là, il avancera pas plus. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'ira pas plus loin. En plus, son armée est pas si dingue. Donc il a pris le truc faible, mais Bilbali. Est bien défendu et va l'être encore plus bientôt. Magritta est extrêmement bien défendu également, même si la garnison est en train de se refaire, on va dire. Limite là où c'est le plus faible, c'est probablement là. Mais on a quand même recruté quelques unités pas dégueulasses pour aider. On peut se prendre des chevaliers. Quoi ça? Pourquoi là il y a un truc? C'est une unité des serviteurs, peut-être le serment de la quête, d'accord. Ok, d'ailleurs, je t'ai pas pris de vœux, toi, je crois pas. Merde. 5 technologies. On va prendre ça. Ça va être son rôle, clairement, l'ordre. Prochain tour, ça va déjà faire 1, ensuite 2. Est-ce qu'on peut pas prendre des héros là? Non. On peut absolument pas prendre des héros. Alors, Pisse-Pousse, ça m'embête, mais pour l'instant, tu vas pas bouger. Si eux ils décident de se barrer là, quoi que tu aies. Alors, est-ce qu'on a une garnison ici? Non, pas encore. On sent que si on recule, on va se faire choper à tous les coups. Donc pour l'instant, on va rester là. On ira peut-être éventuellement poursuivre ça s'il faut, donc ça on saute. On peut améliorer des bâtiments à Tlax. Tlax, on va le détruire. C'est bon. Ici, par contre, on prend. Là, ça donne quoi la garnison? Ouais, elle est en train de se refaire, mais. Attends, c'est de l'infanterie de lancier, c'est même pas des mecs avec bouclier, quoi. La vermine de choc, des mitrailleuses. Ouais non, même diminué, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. On peut construire un poste avancé chez qui? Tyrannoc. Ouais. Oui, carrément.
ça va nous aider. Au niveau des missions, on n'a rien pour l'instant. Personne se sent vraiment menacé, donc personne n'a besoin de nous proposer des missions. Et bon, on va passer le tour. Et on va voir si ça continue comme ça. Est-ce que vous vous sentez toujours pas menacé par Nkari là? Il charge carrément, rien à foutre, il y va. Oh! Il s'est fait battre. Bien joué. Avec la garnison en plus, il devait être un petit peu trop endommagé de son combat précédent. Et bah ça va être le moment d'y aller. Ouh, y'a Scrag. Coucou. Où Scrag? Démembré, massacré, bouché. Il vient aider son allié visiblement. C'est problématique. Enfin problématique, c'est pas problématique mais... ça peut nous faire perdre du temps en tout cas. Cache du gardien enveloppé dans la brume. Mobiliser des ennemis. Ah, Sandrina, tu irais quand même pas attaquer ça toute seule. Ah non, tu vas là-bas. Dans ta propre cité. Alors, est-ce qu'il y a assaut là? Oui. Non, me dis pas que t'as perdu. Il a perdu. Sérieux? Bon, après c'était peut-être une armée que de skink, hein, je ne sais pas, mais ça fait quand même mal aux fesses là. Du coup, Sklok a décidé de sortir visiblement. Il quitte, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait défouiller. Une bonne idée, une excellente idée même. Bon, j'espère que le nain va pas prendre ça, ça me ferait chier. Après, j'ai pas fait de pacte avec lui, mais bon, une guerre de plus. Ça commence quand même à faire. Et d'ailleurs, il me semble qu'il s'est posé près de sa ville, lui, près de Scarogne. Il va reprendre Scarogne. On va aller le chercher. Ah, bon, bah, le Khemri est en train de contre-attaquer sur Arcane le Noir. Est-ce qu'on a des relations avec le Khemri? Je crois pas. Hein. On va aller jeter un œil. Alors, le comte Noctidus, il se bouge le cul ou pas? Attends, c'est ouf, hein. Il veut pas y aller, hein. Il va finir par être totalement remis, Tyrion. Oh, j'adore les tourmenteurs morgues, ils sont tellement classe. Le Reikland commence doucement à se remettre, visiblement. Là, il va falloir qu'il se bouge, Itza, parce qu'à un moment, ça va mal se mettre pour lui. Les renforts vont finir par arriver, on va dire. Ah, c'est classe le truc niveau mag, j'avais pas vu, on a un petit machin qui tourne en haut. Bon, ici, ça, c'est le coup dur, par contre. Parce qu'on est trop loin pour en profiter. Et si on y va, Sklork va faire demi-tour et on risque de commencer à souffrir. Non, on prend pas la ville. Non, merci. Bon, mets-toi en mode raid si tu veux, ça me dérange pas, tu vas m'arrêter 2 secondes. On va prendre cette ville vite pour rééquilibrer nos paysans. Et derrière, on ira peut-être remettre une fessée à Scarogne là, parce que je pense qu'il va la reconquérir du coup. Par contre, du coup, on va réparer ça. Et là le problème c'est qu'on peut pas sortir parce qu'il y a l'autre qui nous menace, donc on n'a pas pu aller le chasser, le reste de Morgur. Qu'est-ce que tu veux toi? Non, non, c'est bon, pas une alliance défensive, faut pas déconner. T'as des ports.
perdrait le E là. Faut être sérieux. C'est des chevaliers du royaume, ils sont pas nommés. Allez, on l'a fait quand même. C'est bon. On les recrutera. On passera peut-être au niveau suivant, tant qu'à faire. On va peut-être pouvoir se débarrasser définitivement d'eux. Ça fera pas de mal. Alors, Skeggy, est-ce qu'il vient nous chercher? Parce que j'avais l'impression que, quand même, son armée avait l'air de descendre vers nous. Moi c'est gentil mais je compte pas trop aller m'occuper de ça quoi. J'ai suffisamment de front ouvert. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient me chercher. Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Normalement ils sont pas censés être agressifs en plus, hein. C'est dommage qu'il m'a buté Tulas quoi. Par contre là je saisis pas trop le trip là. Enfin remarque, on a vu que ma garnison n'était pas dans un état exceptionnel hein. On va voir. Alors on a détecté une embuscade mais c'est clair, on a tué des gens, on est assiégé, on a terminé notre technologie. Le départ du chevalier Sinope. Une fois son devoir entre les portements rempli, le chevalier Sinope disparaît une fois de plus, ne laissant qu'un souvenir. Pour le pire de Prodonna, sa récente prouesse ne sont rien que l'histoire de dormir debout. Mais ceux qui ont eu l'honneur de se battre à ses côtés savent que malgré les ténèbres qui menacent leur monde, cette époque laisse encore la place aux héros, aux légendes devenues réalité. Donc on a perdu un. On a perdu deux unités du coup dans cette armée. Et l'autre il s'est barré tout là-bas. Fait chier. Bon, bah du coup on va se poser là pour avoir la reconstitution. Et il va falloir qu'on recrute. Ouais, on a vraiment pas assez de paysans, je sais. 4 tours pour des chevaliers de la quête. Pouah, c'est long. En plus, elle a pas ce qu'il faut. T'as pas ce qu'il faut. Ah bah non, oui, tu devais faire une bataille. Une bataille en climat désertique ou dans une jungle, bah ça serait climat désertique du coup, mais en attendant va falloir qu'on compense. Ok, bah du coup on va arrêter l'épisode là, de toute façon il est suffisamment long, je vais réfléchir à la suite. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous voulez qu'on recrute des héros pour rejoindre les armées ou pour renommer nos seigneurs. Et je vous dis à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.